Bienvenue dans le module 2 du cours sur l'autonomisation des femmes et des jeunes dans l'agriculture. Ce module est consacré aux femmes et aux jeunes comme concept de développement communautaire et agricole. Dans ce module présente le concept et les problèmes liés aux femmes et aux jeunes en tant que facteurs importants pour le développement communautaire et agricole. Il met en évidence la vulnérabilité et les défis auxquels sont confrontés ces groupes et l'influence correspondante sur leur offre de main-d'œuvre et l'accès à des intrants favorisant la croissance telle que le capital. À la fin de ce module, le participant doit être bien informé des questions liées à l'intégration du genre et à la promotion des femmes et des jeunes pour le développement communautaire et agricole. Comme vous le savez sans doute, l'Afrique a tellement de promesses, ce jeune continent. L'Afrique abrite certainement des économies à la croissance la plus rapide au monde et offre une frontière passionnante aux entreprises à la recherche de croissance et de nouveaux marchés. Cependant, l'inégalité persistante entre les sexes limite son potentiel. La promotion de l'égalité des sexes est l'un des moyens les plus efficaces de stimuler une croissance inclusive et de réduire la pauvreté. L'Union africaine a déclaré en 2015 l'année de l'autonomisation et du développement des femmes dans le cadre de l'agenda 2063 de l'Afrique. Et c'est un signe très positif. Nous devons éliminer tous les obstacles qui empêchent les femmes et les garçons ainsi que les filles de réaliser leur potentiel économique, de réaliser leur plein potentiel et leur croissance à l'égalité des chances et de traitement. Les femmes africaines ont toujours été actives dans l'agriculture, le commerce et d'autres activités économiques. Elles sont également les gardiennes du bien-être de leurs enfants et ont la responsabilité explicite de subvenir à leurs besoins matériels. Elles sont les gestionnaires du ménage, fournissent la nourriture, la nutrition, l'eau, la santé, l'éducation et la planification familiale. Cela leur impose de lourdes charges, malgré les développements tels que l'amélioration des technologies agricoles, la disponibilité de la contraception et les changements dans le statut socio-économique des femmes qui sont importants pour contribuer à améliorer leur vie plus facilement. Cependant, les capacités économiques des femmes et en particulier leur capacité à gérer le bien-être familial sont menacées. On sait aujourd'hui que les femmes cultivent 80% de la nourriture produite en Afrique. Et pourtant, peu sont autorisés à posséder des terres qu'elles travaillent. Ainsi donc, il est souvent plus difficile pour les femmes d'accéder à l'information et à la technologie qu'aux ressources et aux crédits. La valorisation agricole et les institutions financières formelles privilégient une clientèle masculine malgré l'importance des femmes en tant que productrices. Les femmes finissent par travailler deux fois plus longtemps que les hommes, 15 heures à 18 heures par jour, mais ne gagnent souvent que 10% de ce montant. Avec de telles charges de travail, les femmes vieillissent souvent prématurément. Les contraintes auxquelles les femmes sont confrontées sont de la sphère privée du ménage à la sphère publique de la politique, sont donc un obstacle majeur au progrès de développement économique et de croissance inclusive du continent. À côté des femmes, nous avons les jeunes. La population de l'Afrique a augmenté rapidement au cours du siècle dernier. La population totale du continent à partir de 2020 est estimée à environ 2,3 milliards avec un taux de croissance de plus de 2,5% par an. L'indice synthétique de fécondité pour l'Afrique subsaharienne est de 4,7 en 2018, le plus élevé au monde selon la Banque mondiale. Le pays africain le plus peuplé est le Nigeria, avec plus de 206 millions en 2020 et un taux de croissance de 2,6% par an. Si cette tendance se poursuit, la population du Nigeria atteindra 1 milliard de personnes d'ici l'an 2100, dépassant la Chine en densité de population, étant donné la plus petite superficie du Nigeria par rapport à la Chine. Cela appelle des actions politiques urgentes et des efforts de la part du gouvernement et d'autres institutions du continent. Les jeunes, garçons comme filles, constituent une proportion importante et en croissance rapide de la population en Afrique.
Cependant, les jeunes en Afrique sont confrontés à une myriade de défis, du chômage élevé à diverses formes de pauvreté, en passant par des inégalités d'éducation, le manque d'accès aux programmes de mentorat et bien d'autres qui empêchent les jeunes d'améliorer leur vie. Ces jeunes vivent dans un monde en évolution rapide, confrontés à de nombreuses pressions. Mais dans l'ensemble, les jeunes vivent une confusion gênante, des irritations et des perplexités inquiétantes, des problèmes d'adaptation en raison d'un changement social rapide. Il y a une augmentation de la consommation de drogue et d'alcool chez les jeunes, qui a été notée dans plusieurs pays d'Afrique. Il y a aussi les grossesses d'adolescentes et les abandons scolaires. Une urbanisation a accentué les diverses défis de délits, les divers types de délits. La modernisation et les influences occidentales ont contribué à éroder les valeurs africaines traditionnelles. Le système familial a perdu du terrain rapidement et les systèmes d'éducation dites indigènes, entre guillemets, bien entendu, ont en grande partie disparu. Les défis socio-économiques actuels en Afrique bloquent le progrès de la jeunesse africaine. Ainsi donc, selon le Huffington Post, il concluait sombrement sur la jeunesse africaine comme suit. Trop de jeunes en Afrique aujourd'hui ne peuvent espérer mener une vie indépendante et épanouissante. Leur avenir reste précaire. Les jeunes ont été durement touchés par la crise. Pour un grand nombre d'entre eux, le passage des études à l'emploi est devenu plus difficile. Trop de personnes sont menacées de pauvreté ou d'exclusion. Beaucoup pensent que leurs opinions sont tenues pour acquis et que leur meilleur usage est d'être des comparses politiques. Il existe un risque sérieux d'un grand nombre d'entre eux s'éloignent de la société. C'est inacceptable. Nous devons faire beaucoup plus d'efforts pour soutenir les jeunes et le travail de jeunes peut jouer, de jeunesse peut jouer un rôle essentiel à cet égard. Ainsi donc, l'Afrique a connu une croissance constante et significative de sa population de jeunes au cours des dernières décennies. Avec 70% de la population âgée de moins de 30 ans, un âge médian de 18 ans, et 226 millions de personnes âgées de 15 à 24 ans. L'Afrique a donc la population la plus jeune du monde. Le nombre de jeunes en âge de travailler en Afrique est sans précédent. L'Union africaine estime qu'en moyenne 29 millions de jeunes supplémentaires auront 16 ans chaque année d'ici 2030. Selon le Forum économique mondial, la population en âge de travailler en Afrique devrait augmenter de près de 70%, environ 450 millions de personnes entre 2015 et 2035. La région comptera 362 millions de jeunes âgés de 15 à 24 ans d'ici 2050. Aujourd'hui, dans la plupart des pays africains, les jeunes âgés de 15 à 29 ans représentent plus de 40% de la population adulte, un phénomène connu sous le nom de l'explosion de la jeunesse. Comme le montre la figure ci-dessous, l'explosion démographique de l'Afrique dépassera celle de l'Asie. La jeunesse de la population africaine, tout en présentant des défis, pourrait être une bonne opportunité pour le continent si l'emploi des jeunes et le dividende démographique sont bien pris en compte. D'ici 2030, l'augmentation de l'offre de main-d'œuvre pourrait créer un premier dividende démographique et stimuler la croissance annuelle du PIB par habitant de l'Afrique jusqu'à un demi-point de pourcentage en supposant une production constante par travailleur. D'ici 2030, ce dividende démographique pourrait contribuer de 10 à 15% à la croissance du PIB brut de l'Afrique. Si le dividende démographique doit avoir de larges avantages sur les pays africains, il est important d'investir dans l'entrepreneuriat des jeunes et l'innovation technologique pour saisir l'opportunité dans les décennies à venir. La réponse politique typique dans d'autres pays en transition comme la Chine, la Corée du Sud, Singapour, etc., a été de préparer l'offre de main-d'œuvre jeune. L'approche conventionnelle pour faire face à l'explosion démographique des jeunes consiste à préparer les jeunes à l'emploi. L'idée
et que les compétences ou le capital humain des jeunes doivent être augmentés pour améliorer leur productivité sur le marché du travail. Le rapport sur le développement dans le monde en 2007 de la Banque mondiale mettait l'accent à la fois sur l'amélioration des compétences et sur la modification du cadre institutionnel pour améliorer les résultats économiques des jeunes. Et toujours selon la Banque mondiale, il présente un programme politique clair en se concentrant sur cinq transitions clés de la vie, l'apprentissage, le travail, la santé, la famille et la citoyenneté. Trois optiques sont utilisées pour centrer la discussion sur les politiques, l'opportunité, les capacités et la seconde chance. Des compétences de base et l'accès à l'enseignement secondaire et supérieur, par exemple, sont nécessaires pour créer des opportunités, tandis que les capacités à prendre les bonnes décisions pour saisir les opportunités peuvent être améliorées grâce à une meilleure information, l'accès au crédit et d'autres facteurs. D'autre part, lorsque les résultats sont négatifs, par exemple, de mauvaises décisions entraînent un faible niveau d'éducation ou une exposition aux maladies transmissibles. Les jeunes adultes peuvent avoir besoin d'accès à des services qui peuvent les aider à redémarrer leur vie économique et personnelle. De ce fait, la population africaine, d'hommes, de femmes, de garçons et de filles, appelle des préoccupations politiques différenciées. Le genre est un facteur complexe qui fait partie des contextes sociaux, culturels, économiques et politiques. Le genre fait référence aux différences socialement construites entre les hommes et les femmes, tandis que le sexe fait référence aux différences biologiques entre les hommes et les femmes. Étant socialement construites, les différences entre les sexes varient en fonction de l'âge, de l'état matrimonial, de la religion, de l'ethnicité, de la culture, de la classe ou du caste, etc. Et les différences sexuelles varient peu entre ces variables. Et les différences sexuelles varient peu entre ces variables. En tenant compte du genre, les praticiens du développement examinent les disparités qui existent dans les droits, les responsabilités, l'accès et le contrôle des ressources et la voix des hommes et des femmes au niveau des ménages et de la communauté et au niveau national. Il est important de se demander pourquoi le genre est-il pertinent pour le développement. Les hommes et les femmes ont souvent des priorités, des contraintes et des préférences différentes en matière de développement et peuvent contribuer et être affectés différemment par les projets de développement et les interventions de campagne, en particulier dans le secteur agricole. Pour améliorer l'efficacité, ces considérations doivent être prises en compte dans la conception et les interventions de tous les programmes de tous les programmes et campagnes. Si ces considérations ne sont pas prises en compte de manière réfléchie et adéquate, ces interventions peuvent non seulement conduire à des résultats inefficaces et non durables, mais peuvent également exacerber les inégalités existantes. Comprendre les questions de genre peut permettre au projet d'en tenir compte et de renforcer les capacités pour faire face aux impacts inéquitables et assurer la durabilité. Les droits des femmes sont protégés par de nombreux instruments et lois internationaux. La plus connue est la Convention pour l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, un traité des Nations Unies adopté par l'Assemblée générale en 1979. Un protocole facultatif a ensuite été élaboré, établissant un mécanisme par lequel les États seraient tenus responsables du traité. Il y a eu des déclarations et des engagements internationaux ultérieurs qui ont été utilisés comme point de référence pour mesurer les progrès par rapport aux problèmes spécifiques des femmes. Ceci inclut la déclaration et le programme d'action de Beijing en 1995 et les objectifs du millénaire pour le développement en 2001 et les ODD en 2015 qui incluent des considérations de genre dans près de la moitié des clauses.
À cela s'ajoute le protocole de l'Union africaine sur les droits des femmes, ce qui montre que le continent a démontré son engagement à promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomisation des femmes à travers divers instruments. Il y a d'abord la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, également connue sous le nom de Charte de Banjul, est un instrument international des droits de l'homme qui promeut et protège les droits de l'homme et des libertés fondamentales sur le continent. Presque tous les États membres de l'Union africaine ont ratifié la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. La plupart des pays ont ratifié le protocole de l'Union africaine sur les droits des femmes en Afrique. Parmi les autres jalons, citons la déclaration de l'Union africaine de 2010-2020 comme décennie de la femme africaine. Revenons-en aux femmes dans l'agriculture africaine. La plupart des aliments africains sont produits par des femmes. Dans une société qui tourne autour des hommes, les femmes sont la force de l'économie, même si elles restent largement ignorées. Alors que les femmes en Afrique font la plupart des travaux, elles ne sont pas valorisées de la même manière que les hommes. Les femmes qui travaillent dans l'agriculture ne reçoivent généralement pas de formation. Ces disparités démontrent que le potentiel des femmes en Afrique n'est pas pleinement reconnu. Bien que les femmes soient responsables de la majorité de la production, elles ne sont pas en mesure d'influencer les politiques qui les concernent. Les rôles de genre n'entravent pas seulement le potentiel des femmes en Afrique, mais ils entravent également le potentiel de l'Afrique. Ces femmes sont aux prises avec des pesticides nocifs et des outils rudimentaires et subissent également des abus considérables à la maison. Ainsi donc, l'économie de l'Afrique pourrait être améliorée en impliquant davantage de femmes dans les changements de politique agricole ou en investissant dans ceux qui font des travaux agricoles. L'exploitation du dividende démographique de l'Afrique dépend beaucoup de la pleine inclusion des femmes dans les sphères politiques, sociales et économiques qui se chevauchent Faire progresser l'égalité des femmes peut générer un dividende de croissance significatif. Selon le McKinsey Global Institute, si l'Afrique intensifie ses efforts pour combler les écarts entre les sexes, elle peut obtenir un dividende de croissance substantiel dans le processus. L'accélération des progrès vers la parité pourrait stimuler les économies africaines à hauteur de 10% de leur PIB collectif d'ici 2025. Dans un scénario réaliste, meilleur dans la région, dans lequel les progrès de chaque pays d'Afrique correspondent au pays de la région qui a le plus progressé vers la parité entre les sexes, le continent pourrait ajouter 316 milliards de dollars au PIB d'ici 2025. En résumé, la facilitation par un gouvernement inclusif de genre de la croissance de l'agriculture ainsi que des petites et moyennes entreprises fera partie intégrante de la récolte du potentiel d'un dividende démographique en Afrique. Les femmes étant promues en tant que citoyennes économiques à part entière dans le processus de croissance inclusive. De ce fait, le Conseil économique et social des Nations Unies, ECOSOC, a défini le concept d'intégration de la dimension de genre comme suit. L'intégration d'une perspective de genre est le processus d'évaluation des implications que les femmes et les hommes de toute action planifiée, y compris la législation, les politiques ou les programmes, dans n'importe quel domaine et à tous les niveaux, comme des hommes, partie intégrante de la conception, de la mise en œuvre, du suivi et de l'évaluation des politiques et des programmes dans toutes les sphères politiques, économiques et sociales, afin que les femmes et les hommes en bénéficient de manière égale et que les inégalités ne se perpétuent pas. Le but ultime de l'intégration est d'atteindre l'égalité des sexes. En effet, l'intégration du genre a été adoptée à l'échelle internationale, y compris par l'Union africaine et les pays membres, en tant que stratégie visant à réaliser l'égalité des sexes. Elle implique l'intégration d'une perspective de genre dans la préparation, la conception, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation des politiques, des mesures
des mesures réglementaires et des programmes de dépenses en vue de promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes et de lutter contre la discrimination. L'intégration de la dimension genre nécessite à la fois d'intégrer une perspective de genre au contenu des différentes politiques et d'aborder la question de la représentation des femmes et des hommes dans le domaine politique donné. Les deux dimensions représentation du genre et contenu sensible au genre doivent être prises en compte dans toutes les phases du processus d'élaboration des politiques. La figure ci-dessous donne un aperçu des différentes composantes de l'intégration de la dimension genre. Comme vous pouvez le voir sur ce schéma-là, l'intégration du genre se fait au niveau politique par des engagements politiques, des lois et également une représentation des hommes et des femmes et aussi des politiques genrées dans ce domaine. Donc, comme condition, nous avons une implémentation de plans, des structures, des ressources, des mécanismes accessibles, de la création de connaissances, de l'expertise genre et bien sûr de l'engagement et de la participation de toutes les parties prenantes. Les méthodes qui sont en général utilisées, c'est l'analyse genre, l'audit genre, la budgétisation basée sur le genre, l'évaluation basée sur le genre, l'évaluation d'impact basée sur le genre, etc. Et comme résultat, il y a une meilleure politique, les processus sont beaucoup plus effectifs. De ce fait, afin maintenant d'intégrer les gens, en particulier dans une politique ou un programme, projet lié à l'agriculture, il faut prendre en compte quelles sont les parties prenantes d'une politique, d'un programme ou d'un projet. Quel type de consultations doivent avoir lieu et avec quel groupe? Des moyens exhaustifs ont-ils été recherchés pour inclure les perspectives de tous les groupes d'acteurs masculins et féminins? Quels sont les impacts attendus de la politique, du programme sur chaque groupe de parties prenantes? Et quels sont les droits de tous les groupes concernés ont-ils été pris en compte? Donc, cet ensemble de questionnements est très important afin d'aborder les différences de genre pour comprendre qu'elles sont importantes dans la production agricole, dans divers systèmes agricoles, où la propriété et la gestion des terres et des ressources naturelles par des femmes et des hommes sont souvent définies par des rôles de genre culturellement spécifiques. En Afrique, les femmes représentent une partie importante de la main-d'œuvre agricole. En 2015, elles représentaient 40% de la main-d'œuvre agricole. Combler l'écart entre les sexes pourrait augmenter les rendements des exploitations agricoles dirigées par les femmes de 20 à 30%. Cela pourrait augmenter la production agricole totale de 2,5 à 4%. Et les femmes sont donc importantes dans l'agriculture, mais les femmes possèdent moins d'actifs productifs, c'est-à-dire moins de terres, moins de bétail, moins de capital humain et ont moins d'accès aux intrants, semences, engrais, travail, financement et aux services, formation, assurance que les hommes. Pour compliquer encore les choses, l'égalité d'accès aux ressources ne garantit pas des revenus égaux pour les agricultrices. Les femmes ont besoin d'une formation agricole spécialisée, de services de garde d'enfants et d'un soutien personnalisé pour alléger leur double charge de travail en tant qu'agricultrice et soignante. L'accès limité des femmes aux ressources productives a des impacts négatifs sur leur productivité agricole et par conséquent, les revenus qu'elles peuvent générer de l'agriculture. En Afrique subsaharienne, les niveaux de productivité agricole des agricultrices sont de 20 à 30% inférieurs à ceux des agriculteurs masculins, en raison des disparités entre les sexes concernant l'accès aux ressources.
Les bonnes ressources pourraient aider les femmes rurales à maximiser les opportunités économiques, à augmenter la productivité et à améliorer la sécurité alimentaire, l'éducation et les soins de santé, car les femmes ont tendance à réinvestir dans leur ménage. L'exploitation du dividende démographique de l'Afrique dépend beaucoup de la pleine inclusion des femmes dans les sphères politiques, sociales et économiques qui se chevauchent, et ces changements de niveau plus profonds sont désordonnés, politiques et tournent autour de la réforme délibérée des structures de pouvoir enracinées. Une telle transformation au niveau des systèmes va bien plus loin que les quotas, les pourcentages et les objectifs caractérisant l'industrie du développement international et se trouve plutôt dans les luttes moins faciles, quantifiables pour une agence, une voix et un pouvoir accru dans les domaines privés et politiques. Par conséquent, l'égalité des sexes dans le secteur agricole et alimentaire doit être un objectif explicite. La stratégie visant à inclure les actions basées sur une analyse de genre réfléchie qui vise à aboutir à des résultats positifs en matière de genre devrait inclure l'accès des femmes à la terre et à la finance rurale, offrir aux femmes un meilleur accès à la terre, au financement et aux intrants de production est essentiel pour combler l'écart de productivité entre les hommes et les femmes. Les institutions de microfinance et les autres prestataires de services financiers présentes dans les zones rurales peuvent jouer un rôle clé en soutenant les agricultrices. Relier les femmes aux chaînes de valeur agricole. Lorsque les femmes sont liées aux chaînes de valeur agricole, de la production à la transformation et à la commercialisation, elles contribuent à rendre l'agriculture traditionnelle plus productive et commercialement viable. Les chaînes de valeur inclusives offrent également des opportunités de travail aux femmes et aux hommes en dehors de l'exploitation. Améliorer l'accès des femmes rurales à la formation et à l'information. La connaissance des technologies agricoles est essentielle à la productivité. Cependant, les agricultrices ont un accès insuffisant aux services de vulgarisation et de formation agricole. Il est également important que la formation et les technologies agricoles soient accessibles et adaptées aux besoins et contraintes des femmes rurales. Ainsi donc, les femmes et les jeunes sont le catalyseur parfait d'une révolution agricole. Les jeunes ruraux sont l'avenir du secteur agricole. Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, l'âge moyen d'un agriculteur africain est aujourd'hui d'environ 60 ans, alors que 60% de la population a moins de 24 ans. Les jeunes sont donc l'avenir de l'agriculture. Il est donc nécessaire de développer des techniques qui rendent l'agriculture plus attrayante et valorisante. L'organisation des jeunes a longtemps été identifiée comme un outil catalyseur pour la promotion de l'emploi des jeunes dans l'agriculture. Cependant, de nombreux facteurs entrave l'expansion de l'autonomisation des jeunes pour l'atteinte d'objectifs visés, ce qui inclut le manque d'infrastructures nécessaires, le manque de politiques solides d'autonomisation des jeunes, les activités limitées d'autonomisation des jeunes, la faible implication des jeunes dans les processus décisionnels de chaque programme d'autonomisation des jeunes et la faible participation au programme. Ainsi, il est impératif que les secteurs publics et privés travaillent ensemble pour développer des stratégies qui soutiendront les initiatives d'autonomisation des jeunes. Les jeunes deviennent autonomes dans les programmes liés à l'agriculture lorsqu'ils ont des politiques efficaces qui protègent et pilotent leurs initiatives. Ils sont inclus dans les processus de prise de décision. Leurs voix sont entendues et honorées. Leurs opinions et leurs idées sont mises en œuvre, ils ont la possibilité de s'approprier des programmes, ils ont la possibilité de concevoir des solutions à leurs problèmes. Un groupe diversifié de pairs participe à ces programmes, fourni avec les outils et les ressources pour participer à de tels programmes. La communication se fait dans une langue qu'ils comprennent facilement. Donc, donner, de ce fait,
Il faut donner aux jeunes les moyens de participer pleinement au développement agricole et de contribuer à la croissance économique nationale nécessitera les éléments suivants. Faciliter l'acquisition et l'accessibilité des terres pour les investissements agricoles. Faciliter l'acquisition et l'accessibilité des ressources de financement pour que les jeunes investissent dans l'agriculture. Faciliter l'acquisition d'intrants agricoles, de machines et d'autres services de soutien nécessaires. Faciliter le développement et l'utilisation des infrastructures d'irrigation. Améliorer la commercialisation des produits agricoles. Améliorer l'atténuation et l'adaptation au changement et à la variabilité climatique. Promouvoir les compétences techniques et entrepreneuriales. Faciliter les liens entre les jeunes et d'autres initiatives de soutien à l'agriculture pour les jeunes. Promouvoir le travail décent dans le secteur agricole. Intégrer les questions transversales entre les jeunes impliqués dans le secteur agricole. Donc, étant donné que les jeunes ruraux aspirent à devenir des agripreneurs qui sont impliqués dans tous les maillons de la chaîne de valeur, de la production à la transformation et à la commercialisation, les éléments suivants peuvent être recommandés pour faciliter leur adoption de l'agripreneurship. Les gouvernements consacrent et décentralisent une part importante de leur budget au secteur agricole, dont au moins 5% devraient être alloués aux activités agricoles, pour que les jeunes ruraux et les jeunes femmes, les gouvernements et les partenaires au développement placent les besoins et les préoccupations des jeunes ruraux au centre de leur politique de développement. Et cela devrait être fait de manière participative avec la participation des jeunes ruraux et qu'ils incluent le plaidoyer et le lobbying dans leur programme de développement en agriculture. Les gouvernements devraient revoir leur politique de jeunesse et proposer des mesures adaptées à la vie rurale, garantir les droits des jeunes ruraux et leur offrir une vie meilleure et plus décente. Le cinquième point, les gouvernements et leurs institutions de financement devraient effacer un pourcentage suffisant du budget national au lancement de politiques d'autonomisation des jeunes ruraux. Cette autonomisation doit leur permettre de promouvoir des activités productives dans le domaine de l'agriculture familiale, de l'agriculture paysanne et de la pêche, et d'associer activement les jeunes ruraux à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des politiques et des budgets. Les gouvernements doivent mettre en œuvre des politiques adaptées aux besoins des jeunes ruraux et aux différents milieux culturels, sociaux et économiques, afin de réduire les inégalités en milieu rural et garantir un accès à la terre pour les jeunes ruraux, leur donner des perspectives d'avenir dans l'agriculture et favoriser l'identité des gens. Les gouvernements, avec l'aide du secteur privé, devraient aussi utiliser les médias et la technologie moderne pour promouvoir l'agriculture chez les jeunes et fournir des informations et des exemples d'activités agricoles durables. Les gouvernements et les partenaires de développement, institutions, instituent une journée de la jeunesse rurale. Les organisations paysannes mettent en place des actions de jeunesse rurale au sein des plateformes nationales, régionales et continentales. Les systèmes d'enseignement agricole et les instituts de recherche devraient être améliorés pour mieux répondre aux besoins des jeunes désireux de gagner leur vie dans l'agriculture. Et pour terminer, les politiques agricoles nationales doivent être adaptées aux jeunes, promouvoir l'agriculture à petite échelle et protéger les jeunes agriculteurs des effets néfastes de l'agriculture d'entreprise. Un pourcentage plus élevé des budgets agricoles nationaux devrait être consacré à l'amélioration de l'accès des jeunes aux activités agricoles. Les organisations paysannes devraient promouvoir et faciliter la participation des jeunes ruraux dans leurs propres structures hommes et femmes et devraient tenir compte de la nécessité de l'équité entre les sexes afin qu'ils comprennent les proportions qui affectent les jeunes ruraux
et s'impliquent activement dans la défense de leurs droits politiques et économiques. Ainsi donc prend fin le module 2 et nous vous invitons à partager vos réflexions et à enrichir votre réflexion à travers un essai qui porte sur les stratégies et méthodes pour encourager les jeunes à jouer un rôle significatif dans l'agriculture dans votre pays. Merci et à bientôt.